lundi. Oui, la vidéo, le caméscope est posé parce que je viens de vous tourner une vidéo click and fit, Look Hero. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le week-end était bon, que la semaine a bien commencé. Donc là, il est 11h. Ouais, il est déjà 11h-5. Donc, je vais faire mes check-out Look Hero et Click and Fit. Je vois que le facteur est passé, donc je vais aller voir à la boîte aux lettres également. Et puis, journée tranquille, enfin journée tranquille, oui et non. J'ai pas mal de montage vidéo à faire, j'ai des courses à faire également. J'ai fait mon repassage hier, donc le repassage, on est tranquille. Et puis voilà, plein de petites choses à faire. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Bon voilà, course faite, j'avais pas grand chose à acheter, juste quelques petites choses d'appoint et surtout de l'eau parce qu'on est tombé en rade d'eau hier. Donc ça c'est cool, oui ma perdi. Elle est partie faire pipi, elle se promène. Je suis en train de me faire couler un petit café, je monte la vidéo du jour. C'est parti. Bon voilà, j'ai fini de bosser, il est 17h30 je crois. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans mon bureau maintenant. Il y a encore pas mal de petites choses à fignoler, hein, mais j'ai mis des petites lumières. Vous voyez, il y a une petite lumière là, il y a une autre petite lumière là-bas. Oui, il faut que je referme les placards. Voilà, il y a des petites lumières comme ça partout et qu'est-ce que c'est agréable pour travailler. Je me sens bien dans mon univers et ça me fait du bien. J'ai trop hâte de recevoir le miroir qui va être là-bas. Voilà, parce que ça fera trop joli. Ouais, non, franchement... ce que j'ai fait me plaît beaucoup et je me sens bien dans cet univers là et c'est important de s'en sentir bien dans un univers de travail. Donc voilà, sur ce, j'ai fini de bosser pour la société et j'avais encore pas mal de boulot cet après-midi. Oui, j'ai les lunettes de PC. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et je vais monter la vidéo pour demain du calendrier de l'Avent parce que Alice vient m'envoyer la sienne qui est déjà montée et moi, c'est toujours pas fait. Bah oui, j'ai privilégié le travail à YouTube pour cette fois-ci. Donc, on peut pas toujours faire les choses dans le sens où on voudrait. On va éteindre les petites lampiottes. Hop. Oui, je les éteins là parce que sinon... Une fois que j'ai le PC dans les bras, c'est mort. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses. Et je sais pas si je vous avais montré. Bon, sur le canapé, il y a des petites choses, mais j'ai installé les coussins. Bon, j'attends encore la housse. Mais ça fait joli. J'aime beaucoup. Et la petite table. Mais je vous montre pas plus, vous verrez tout ça en temps voulu. Allez, on se laisse là. Et on se retrouve plus tard. Coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai déjà mes lunettes de bureau. Il est 10h et on attaque une nouvelle journée. Ce matin au programme, pas mal de montage de vidéos. Comme vous le savez, comme je fais une vidéo par semaine, souvent lundi, mardi, mercredi, c'est montage vidéo à fond les ballons. La vidéo du jour est montée, il faut que je monte mon vlog pour demain et les vidéos pour la fin de semaine. Je vais vous montrer la tenue du jour, j'ai déjà monté sur Instagram ce matin et en fait, j'ai mis des talons. Oui. Oui, pour celles qui me connaissent, vous allez dire waouh, elle a fait un effort, mais je me sens pas à l'aise. Donc je vous montre la petite tenue du jour. Pantalon de chez Only Karma Koma que j'ai vu dans une Look Hero. Le petit top, c'est Lolita Guyot, je l'aime bien, il est trop joli celui-ci. Et les petits talons, c'est Gigi's House. J'ai retroussé le pantalon parce que sans retrousser le pantalon, j'aime pas du tout. Mais je me sens pas à l'aise du tout et j'ai l'impression que c'est pas moi. Donc voilà, je pense que je vais très vite finir en basket parce que j'ai pas l'habitude. Il faut que je m'y fasse petit à petit, mais j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà un petit peu, je voulais juste vous montrer. Et puis, voilà, voilà. Vous voyez, ça fait... allez, je pense qu'avec une robe, ça passera peut-être mieux. Mais là, avec le pantalon, j'ai beaucoup de mal. Et je suis pas habituée à marcher en talon, tout simplement. Ça aide pas non plus. Je pense que je vais remettre mes baskets. Je serai plus à l'aise et ce sera mieux. De toute façon, je vais rester assise, donc ça va pas faire grand-chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 13h. Je viens de finir de monter mon vlog. J'ai commencé à 11h, je crois. Donc, ouais, 2h de montage. Je vous ai fait pas mal de... J'ai fait une recette de cuisine cette semaine. Il y a une petite, petite scène ménage en accéléré et tout. Je pense que j'en ferai plus souvent des scènes en accéléré, j'aime bien. Donc, il fait 1h08. Donc, il est un peu plus long que celui de la semaine dernière. C'est cool, vous allez apprécier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger, tout simplement. Parce que je commence à avoir la dalle. Ce midi, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Puis en plus je pense que je suis en syndrome prémenstruel comme on dit, et du coup c'est un peu compliqué dans mon corps. Il me reste des petits pois et du riz d'hier soir en mélange, et qu'est-ce que je vais mettre avec tout ça?
on va mettre des saucisses comme ceci et du fromage. Allez, c'est parti, je me fais à manger. Et je vous mais dis donc, il n'y a personne qui m'a dit hey, « Hé, Hélène, t'as oublié tes calendriers de l'avant aujourd'hui ?» Bah oui, j'étais tellement omnibulée par faire le montage du vlog que j'ai oublié les calendriers de l'avant. Donc, calendrier de l'avant. C'est bon, voilà de retour. Je suis passée au relais colis et tout ça et tout ça et tout ça. Ça, c'est fait. Et je suis passée faire un click and collect chez Amandine de chez Créa Bijoux. Je vous montre, je lui ai pris deux petites paires de boucles d'oreilles. Ça fait un moment que je n'avais pas acheté de bijoux et là j'ai totalement craqué sur une des paires qu'elle a publiées récemment et je lui ai demandé qu'elle les mette de côté parce que je les ai trouvées sublimes, mais vraiment sublimes, sublimes. Ce sont celles-ci. Alors, faut que ça fasse le focus, regardez-moi ces petites merveilles. Je vous remettrai son lien en barre d'infos, donc bien sûr, hein, il y en a deux. Bien sûr, bien sûr, voilà. Elles sont sublimes, elles sont toutes légères, donc ça pour les fêtes, même là en ce moment... Ce sera trop joli. Et la deuxième paire, c'est une paire de dépareillés parce qu'elle s'est lancée un petit peu dans le dépareillé aussi. Et c'est super mignon aussi, c'est tout léger aussi, donc super agréable. Elles sont trop mignonnes aussi celles-ci. Donc ça, je vous montre les deux parce que c'était dépareillé. Voilà, il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Je vous remets son lien de boutique en barre d'infos. Voilà, et je vais changer la batterie parce que j'ai autre chose à vous montrer, mais c'est un peu plus long. Donc, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on va avoir un peu plus de temps pour parler. Alors, pour celles qui se souviennent de ma vidéo sur les collants Yours, si vous vous souvenez pas, je vous la remets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Grosse arnaque, les collants Yours. Vous avez été beaucoup sous la vidéo à me parler de Snacktis. Donc, je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas bien, je vous l'écrirai là. C'est une marque de collants allemand qui fait des collants spécial grande taille. Il paraît qu'ils sont géniaux. Je sais que Hélène Lavillaine en a parlé, elle dit qu'ils sont vraiment, vraiment bien quand on fait une grande taille. Donc, j'ai reçu mon colis ce matin, comme ça. Alors, ça a été un peu long à arriver. Je vous dirais que ça a bien mis... 15 bonjours, je vous mettrai là combien de temps, mais ça a été assez long, j'avouerai quand même. Alors, regardez, oh, c'est un swap le truc. Je vais pas vous mentir, je vais vous montrer, je vais tout prendre dans ma main. Voilà comment vous recevez les collants. Le truc, c'est un swap à lui tout seul. Alors, je vous montre, j'ai peut-être la date de commande là. 21-11, donc 21-11, ouais, ça fait bien 15 jours, ouais. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 paires de collants à première vue. J'en ai eu pour 45,44€, donc je trouve que ça va encore. Je vois qu'il y a des petits flyers, donc voilà, c'est vraiment fait pour les collants, pour les grandes tailles. Je vous remettrai bien sûr le site en barre d'infos et tout, donc je vais regarder. Je vais pas les essayer là avec vous, mais j'en essaierai peut-être une paire demain et puis je vous mettrai un petit peu ce qu'il en est. Oh, c'est trop, franchement, c'est trop rigolo. Donc j'en ai pris un dans les teintes, alors je ne sais plus bien, je crois que celui-ci c'était le caramel, je crois que c'est ça, donc c'est un collant marron. Alors attendez, je me lève. Donc déjà truc très bien, vous avez une couture à l'avant, une couture à l'arrière, ah vous avez même l'étiquette qui vous dit que ça c'est l'arrière, il paraît qu'ils sont vraiment vraiment bien et qu'ils se filent pas facilement. Donc hop, au niveau collant celui-ci, vous voyez c'est un marron, ça peut être sympa selon les tenues que vous portez ceux-là. Ils ont l'air bien, ils ont l'air très extensibles, mais écoutez comme ça à vue de nez, vous voyez ça c'est assez grand. Moi je les ai pris en taille... Est-ce que c'est noté dans le collant? Parce que je ne sais plus. Alors, attendez. Qu'est-ce que je peux vous dire? F. Oui, moi, je crois que je les ai pris en taille F. Donc, allez voir. De toute façon, il y a un guide détail et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Je vais les remettre dans les pochettes. Ça peut être sympa pour les garder. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris... Ah, ben si, c'est marqué dessus, non? Ouais. C'est le praline. Praline, celui-ci. Là, c'est le Blackfish Stunning. Alors, ah oui, c'est un collant, j'ai voulu tester, voir ce que ça donne, c'est un collant résille en fait, voilà, je voulais tester, clairement ça tient pas chaud, hein. C'est un collant résille, voilà, j'ai voulu tester ça, voir un petit peu, mais ça m'a l'air sympa aussi au niveau, niveau extensible et tout, à voir, donc voilà le résille. Ensuite, ça c'est le Stay Cool F. Donc, le Stay Cool, moi j'ai complètement arraché le truc, c'est pas grave. Alors celui-ci c'est un collant
Un collant opaque mais clair. Ah non, c'est oui, d'accord, ok. C'est un shorty, ça. Parce qu'ils font aussi des shorties pour mettre, vous savez, pour éviter les frottements et tout. Et c'est des shorties en collant. Donc je l'ai pris ça. Par contre, il a l'air d'avoir des papates assez longues. À voir ce que ça va donner. Mais ça m'a l'air... ça m'a l'air bien large aussi. Donc on verra bien. Le troisième collant, c'est le Licorice Cheer. Alors celui-ci, c'est un noir. Voilà, tout simplement noir. Pareil, une couture à l'avant, une couture à l'arrière. Et ouais, c'est un noir opaque, quoi. Voilà. Noir opaque, ça m'a l'air bien costaud quand même, hein. Avoir porté, mais bon, ça m'a l'air bien costaud. Et le dernier, c'est le caramel. Le dernier, c'est le caramel cheer. Et donc, c'est un collant cher, en fait. Et je l'ai choisi en caramel. Est-ce que je me suis plantée ou pas? Non, je pense pas. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les collants chers, ils ont vraiment plusieurs couleurs. Aussi bien pour les peaux black que pour les peaux hyper claires. Parce que je vous disais donc, ça, c'est le caramel. Mais ça existe en light, je crois, ou une teinte beaucoup plus claire encore. Donc, à voir tout ça. De toute façon, je vais essayer. Je vous en dirai des nouvelles. Et puis, selon comment c'est bien ou pas, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée. On verra bien, en attendant, bah écoutez, on va essayer ça et puis on verra bien ce que ça donne. Mais si c'est vraiment bien, il paraît que c'est vraiment vraiment bien pour les grandes tailles, ceux qui ont des jambes, vous savez, par moment on fait de la rétention d'eau, des choses comme ça. C'est qu'Hélène, elle a des jambes qui sont quand même très très costauds par rapport à sa maladie et elle dit que c'est super. Donc voilà, c'est peut-être une bonne option à voir. En attendant, bah je teste et je vous dis. Voilà, voilà. Sur ce, il est 16h10. Je vais me faire un petit café, me prendre quelques amandes et monter la vidéo pour après-demain. Et celle d'après-après-demain. Ouais, faut que je m'occupe de tout ça cet après-midi parce que jeudi, j'ai les poseurs de fenêtres, donc je pourrais rien faire. Enfin, pas montage de vidéo, il faudra que je m'occupe à autre chose. Et j'ai encore demain, mais bon, je vais essayer de m'avancer un petit peu plus aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Il est 10h moins le quart et on attaque une nouvelle journée. Je vais commencer par le calendrier de l'Avent. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Au niveau pro, au niveau YouTube, faut que je débarrasse mon escalier pour les ouvriers demain. Donc franchement, j'ai pas mal de choses à faire. Faut que j'aille à la banque aussi cet après-midi pour le pro. Plein de choses à faire. Bref, journée hyper chargée. Je vais essayer de vous prendre, mais je vous garantis rien. En attendant, j'attaque les calendriers. Bon, 11h16, j'avance très très bien dans mon programme. Donc c'est cool. J'ai déjà fait une partie du boulot que je vais faire ce matin. Pour le pro, j'avais des mails à imprimer et préparer pour aller à la banque cet après-midi. Donc ça, c'est fait. J'ai fignolé ma wishlist de Noël et j'ai tout mis sur papier pour vous la filmer. J'ai filmé également, ça c'est fait. Et là je vais passer au montage de cette vidéo wishlist qui sera en ligne demain. Donc pour vous, elle est passée jeudi dernier. C'est bien ça. Le vlog pour aujourd'hui, il est sur YouTube, mais il faut encore que je fasse la miniature et que je le programme. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis la vidéo de vendredi, elle est montée aussi. Donc ça c'est trop cool. Faut que je m'occupe aujourd'hui impérativement de la vidéo de demain, de samedi et dimanche. Je verrai comment je m'organise, mais normalement ça devrait le faire. Je vais me prendre quelques petites amandes. J'aime bien dans la matinée me grignoter quelques petites amandes. Hop, 3, 4, 5 et 6. 6 amandes, c'est très bien. Donc allez, je me fais mon petit café, je monte la vidéo et c'est parti mon kiki, on avance, on avance. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai pas pris beaucoup ce matin, là il est déjà midi moins le quart, parce qu'en fait j'ai des ouvriers à la maison toute la journée et sûrement demain encore pour changement de fenêtre. Comme vous pouvez le voir, c'est en cours là-bas. La fenêtre là-bas, elle est en cours de changement. C'est trop joli, j'aime beaucoup. Ils ont réparé la porte aussi et ils vont faire la fenêtre dans l'escalier cet après-midi. Après, ils feront les finitions. C'est trop cool. C'est trop joli, j'aime beaucoup et tout, et tout. Donc voilà, j'ai pris des photos ce matin pour vous mettre en vente les... tiens, par différents traits. Pour vous mettre en vente les petits bijoux que vous avez parlé la semaine dernière dans le vlog que j'avais fait à la main, que j'avais créé quand j'étais créatrice. Donc je vous les ai mis sur Vinted. Et puis bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger parce que je sais pas à quelle heure ils vont revenir. Donc je vais manger, ce sera fait. En plus, j'ai la dalle, on s'est levé à 7h moins le quart ce matin. Donc là, j'ai la dalle. Donc je vais manger et puis on se retrouve, bah, je sais pas quand, je peux pas vous dire. Je fais en fonction. Je vous fais un petit update tant que les ouvriers sont parvenus. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une petite tablette en fait ici.
Et le gars m'a proposé en fait de le poser directement sur le mur, donc de pas reculer la fenêtre. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça en fait. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, c'est pas évident avec la luminosité à chier. Voilà, donc c'est beaucoup plus joli comme ça fait beaucoup plus moderne et on est content. On est très content. Voilà, donc il y a tous leurs outils, donc j'y touche pas. Mais vous voyez, ça faisait en fait la fenêtre était encastrée dans le mur. Et là, c'est vraiment au ras, ils vont tout nous faire bien à l'extérieur. Donc voilà, je suis très Et voilà, donc contente. j'ai mangé, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent, il est 13h10, ça fait bizarre, j'ai mangé à midi parce que il me semble qu'il revient à 13h30. Et comme d'habitude, je mange à 13h, bah, j'ai décalé un peu pour éviter d'être encore en train de manger quand ils vont revenir. Cet après-midi, je vais m'attaquer à mon repassage parce que ce matin, ils étaient vraiment beaucoup là en bas et je pouvais pas. Donc cet après-midi, je vais m'attaquer à mon repassage, comme ça, ce sera fait, faut que je me recoiffe aussi, c'est la cata. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, rien de spécial aujourd'hui. Si hier je devais recevoir un colis UPS pour l'anniversaire de mon chéri, je lui ai commandé des baskets. Et j'ai reçu un mail à 18h, je crois, qui me disait que mon colis avait été déposé au point relais, qui est bon, c'est la presse à quoi, 600 mètres de chez moi. Ils l'ont déposé là-bas parce que c'était marqué nous avons trop de colis, donc nous déposons la plupart des colis au relais. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc j'irai le chercher quand j'irai, ou chérie passera demain, ou non, non, pas chérie passera demain, j'irai moi-même, c'est mieux. Comme c'est moi, c'est son cadeau, faudrait peut-être pas qu'il voit ce que c'est. Quoique si, il verra parce que faut que je lui fasse essayer, parce que c'est des baskets. Cette année, c'est cadeau basket. En fait, on lui avait acheté l'année dernière avec ma maman pour son Noël, et elles étaient trop grandes, et je n'ai jamais, jamais, jamais réussi à les retrouver cette année. Pourtant, on a cherché partout, partout, partout dans sa pointure, il n'y en avait pas du tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, je les ai trouvés sur un site allemand. J'ai payé un petit peu plus de livraison, mais bon, c'est pas grave, il va être super content. Donc voilà, c'est des baskets de la marque Golf. Et je pense que ça lui fera plaisir. Donc j'étais très contente de les trouver. Donc il faut juste que j'aille les chercher. Bon, j'ai jusqu'au 21 pour aller les chercher. Donc je vais aller les chercher avant, bien entendu, puisque le 21, c'est le jour de son anniversaire. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai rangé ma cuisine parce que le lave-vaisselle avait tourné cette nuit. Et puis, bah, faut s'occuper quand les ouvriers sont là, c'est pas forcément évident. Ouais, j'ai rangé ma cuisine, j'ai fait quelques petites choses. Là, cet après-midi, je vais faire mon repassage. Et puis voilà. Et donc là, cet après-midi, ils vont faire cette fenêtre-là. Attendez, je vous montre comme ça, vous verrez bien l'avant-après. Je vais pas monter trop haut pour que vous voyez bien les choses, mais c'est cette fenêtre-là qui est dans l'escalier. Alors normalement, celle-ci, ils vont la laisser. Attendez, hop. Si je me mets là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Celle-ci, ils vont la laisser à l'intérieur parce que le rebord est trop grand. Et il dit qu'en plus, si on la met pas en intérieur, ça risque de bloquer au niveau de la poignée quand on passe, de s'agripper dedans. Mais j'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu en renfoncement comme ça. Donc voilà, ils vont changer celle-ci, qui, comme vous pouvez le voir là en bas, avait des fuites. Donc ça, c'est trop cool. PVC également, oscillo battant, et ça va être le Par pied contre, je prends l'ancien total. service. C'est un peu le bordel dans le bureau parce que j'ai déplacé des choses pour qu'ils aient accès à tout. Ouais, le pied total. Parce que du coup, celle-ci n'était pas aussi lourde et quand on l'ouvre en grand. Et on a toujours peur avec la chienne qu'elle passe par la fenêtre. Donc on ne l'ouvre jamais. Et là, en oscillo, ça va permettre l'été d'aérer, même en ce moment d'aérer le bureau et tout. Donc c'est trop cool. Il fait beau là, il y a le soleil, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et puis après, on attaquera l'escalier. Je sais pas si vous allez le voir. Oh, ça veut pas, si. Il y a des taches. Quand on a peint, chérie a fait tomber de la peinture sans s'en rendre compte et on n'arrive pas à la voir, donc on va le peindre. On va laisser tout ce qui est ces parties-là comme ça, mais on va peindre vraiment toutes les marches, c'est décidé. Par contre, on hésite entre blanc et gris. Moi, je plancherai pour du blanc et chérie m'a dit blanc, ça va faire trop un gris clair peut-être. Ça va, un gris qui revient un petit peu avec le mur en briques, ça pourrait faire sympa. Et peut-être peindre juste les montants, vous savez, les. Ça là. Laisser tout le reste en bas, comme ça et les marches. Ça pourrait peut-être faire sympa. Mais écoutez, ça avance dans cette maison. C'est vrai que comme cette année, on n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup bougé, hein. Vive le virus. On n'a pas beaucoup bougé, donc on a mis un peu d'argent de côté. Et du coup, voilà. C'est vrai qu'on a d'habitude, on a plus tendance à vouloir profiter de la vie. Et puis la maison passe en second plan. Et du coup, cette année. Covid oblige,
On n'a pas beaucoup bougé, donc la maison passe en premier plan. Donc on a fait les fenêtres. Les fenêtres là, on en a pour un bon 2000 euros déjà, donc c'est déjà pas mal. Réparation de la porte, les deux fenêtres, on a pour un petit 2000 euros à sortir. Et puis, on a peint le bureau, on a repeint les volets, on a repeint les escaliers, enfin la montée d'escalier là-bas. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On a fait plein de petites choses dans la maison cette année. Ouais, des choses dont on n'a pas forcément parlé parce que c'est des choses qui sont pas... que vous voyez pas forcément, puis qui sont pas importantes à ce que je vous en parle, voilà. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de petites choses, donc ça c'est cool. Et puis on a d'autres choses en prévision, c'est-à-dire que l'année prochaine, je pense qu'on fera ces fenêtres-là. 2021, on est en train de mettre bien de côté pour faire ces fenêtres-là. Donc je pense que l'année prochaine, on fera ces fenêtres-là. Et puis il faudra un jour qu'on s'attaque à le point de lumière que vous savez au-dessus du meuble, là. En fait, le point de lumière, c'est une porte. C'est-à-dire que derrière mon mur, derrière là... Et là c'est mon linge, et là derrière vous avez le point de lumière là-haut, et derrière là il y a une porte, c'est-à-dire qu'en façade de maison il y a une porte, à l'intérieur c'est plaqué, mais de l'autre côté il y a une porte, une vieille porte qu'on n'ouvre plus vu que d'un côté voilà. Mais le souci c'est qu'il va falloir toucher à toute la façade pour changer quelque chose à cet endroit-là, donc il faut vraiment qu'on fasse ça en été d'une, et qu'on fasse ça sur une journée, c'est-à-dire qu'on enlève la porte et qu'on remonte un mur tout de suite, parce que sinon la maison est ouverte à tous les vents quoi. Donc voilà un petit peu pour ça, on sait pas encore du tout comment on va faire, donc je pense qu'on fera les fenêtres et que ça ce sera la dernière des choses qu'on va faire pour voilà. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, hein, mais bon, pour l'instant ça ira très bien. Mais c'est vrai que c'est du simple vitrage, c'est une vieille fenêtre et tout, tandis que là on est passé vraiment en double vitrage et tout, puis la fenêtre là, elle avait des fuites, dès qu'on se mettait devant on sentait un peu l'air et tout, tandis que là ça va changer la vie, en plus elle est en oscillo que l'autre n'y était pas, c'est trop cool. Oui, je vous parle en condensé là tout de suite maintenant parce que je vous parlerai pas de la journée. Sniff. Ah ok. Et Birdie est au bout de sa vie. Birdie est dans le canapé là-bas. Elle est au bout de sa vie parce que quand les ouvriers sont là, ils rentrent, ils sortent, le portail reste ouvert. Donc je la mets dans le couloir et je mets la barrière. Mais elle ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison en fait. Donc elle grommelle et tout, enfin... On va aller refaire un petit pipi, ma chérie. Oui, parce qu'après, les ouvriers vont revenir. Et je crois qu'ils viennent à 13h30. Donc, coucou, je vous laisse. Vendredi, il est 11h15. Mes ouvriers viennent de partir. Donc, enfin, les ouvriers viennent de partir. Tout est fait. Tout est tranquille. La porte est remise en place. On ne pourra pas... parce que la porte d'entrée, en fait, si vous voulez, on appuyait dessus. Et je pense que si on avait appuyé un peu fort, on aurait pu la démonter complètement. Elle était complètement décellée. Donc, ils l'ont fait. Tout est nickel. Elle ne grille plus et tout. C'est parfait, la fenêtre ici, c'est fait, regardez-moi ça, je suis trop contente. En plus de ça, maintenant c'est en oscillo, donc c'est cool, celle de l'escalier, pareil. Je suis hyper contente, franchement ça fait plaisir de faire des travaux comme ça, d'avancer un petit peu, ça c'est trop cool. Et puis ça fait propre, ça fait bien, ça voilà, je suis trop contente. En plus les ouvriers étaient hyper agréables, si vous êtes dans le coin et que si vous êtes de mon coin... n'hésitez pas à contacter la société SNM, je vous mets un lien en barre d'infos. Franchement n'hésitez pas à les contacter. Quand vous faites un devis, ils vous donnent le prix définitif et qui est un prix très abordable. Ils vous font pas, vous savez, comme certaines sociétés qui commencent à un prix élevé, puis qui vont baisser parce qu'il y a moins de 40% en ce moment, puis qui vont vous baisser encore de temps parce qu'il faut mettre un panneau sur la porte. Enfin voilà, franchement, ils sont top de chez top. Ça fait des années qu'ils sont sur Flixecours. Mes parents passaient par eux. Nous, on est déjà passé par eux pour la porte, pour les fenêtres de tout le reste de la maison. Et franchement, on en est hyper, hyper content. Donc n'hésitez surtout pas à les contacter si vous avez besoin. Voilà, ouais, puis ils travaillent dans la bonne humeur, franchement c'est agréable, ils sont souriants, enfin c'est vraiment agréable de voir des gens qui travaillent comme ça dans la bonne humeur, ça fait super plaisir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, ce matin, moi ce que j'ai fait, j'ai répondu à quelques mails et après je me suis occupée de mes cactus, donc j'ai refait un petit peu ce truc-là parce qu'il y avait celui-là, il était tout bizarre, il avait plein de feuilles mortes et tout, donc je l'ai remis en place un peu. Voilà, je leur ai mis un petit engrais, donc tous les cactus de la maison ont eu leur petit engrais. J'ai refait aussi ce petit coin-là parce qu'il y en avait plein qui étaient un peu bizarres aussi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et d'ailleurs, je voulais vous poser une question. Vous voyez, cette plante-là, elle a des trucs blancs comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous savez, alors me dites pas que c'est parce que je lui mets trop d'eau, parce que je lui mets quasiment jamais d'eau. Donc si vous savez pourquoi elle a des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas trop.
Est-ce qu'il faut que je la passe à la douche pour la nettoyer ou pas? J'en sais rien, mais n'hésitez pas à me dire si vous savez. Sinon, tout voilà. Est fait. Voilà, voilà. J'ai fait mes poussières sur les meubles et tout. Je me suis avancée un petit peu pour le ménage de cet après-midi. Et puis voilà, dans la bonne humeur, c'était sympa. Hier, je sais pas si je vous ai dit, j'ai partagé sur Facebook une recette de beurré nantais. Attendez. Gâteau aux pommes beurré nantais. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Et je l'avais fait hier, il était super bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, rien de spécial là tout de suite maintenant. Ce que je vais faire là, c'est que je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent parce que je les ai pas encore ouverts. Qu'est-ce qu'il y a ma birdie? Il y a ma birdie qui est en mode attente. Je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent parce qu'il est ici, je les ai pas encore ouverts aujourd'hui. Je vais ranger la malle qui traîne là parce qu'elle va là-bas dans le coin. Et ça, c'est une poubelle que je dois amener. Puis les petits trucs à ranger. Ah, j'ai reçu la My Little Box aussi. Donc on va l'ouvrir après ensemble. Mais je vais ouvrir les calendriers de l'Avent avant. Allez, du coup, je me suis posée. Et puis on va ouvrir ensemble la My Little Box. On y va, c'est parti. Attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, c'est très joli quand on ouvre. Ils ont fait les choses hyper bien. It's a kind of magic. Émerveillez-vous, transformez, illuminez, créez tout ce que vous voudrez. Il ne tient qu'à vous de faire de ce souhait une réalité. Vous avez la magie au bout des doigts, à vous de jouer. C'est joli. Donc, ce mois-ci, elle est en partenariat avec MAC. Et je vous avouerai que j'ai déjà mis mon nez dedans. Oui, c'est pas grave. Donc, je me suis fait spoiler de toute façon. Donc voilà, mais le carton à l'intérieur, il est sublime. Très beau. Donc la petite carte se présente comme ça. Donc toujours carte machin. Donc vous pouvez les mettre dans des cadres ou je sais pas quoi. Enfin faire ce que vous en voulez. Elle est très jolie. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Olivier Lockhart. C'est beau. C'est un dessin de Kanako. La pochette qu'on a reçue, elle est sublime. Regardez-moi ça. Franchement quand j'ai ouvert, oh il y a de la neige dessus. Merci Alice. Il y a de la neige partout. Pour celles qui suivent les calendriers de l'Avent, vous avez compris. Donc voilà, elle est magnifique, elle est très jolie en velours rouge comme ça, avec un petit peu de lisse, un petit dragon pailleté comme ça. Vous retrouvez la paillette à l'intérieur quand vous ouvrez. Regardez-moi ça. C'est sublime. Franchement, sublime, sublime, sublime. Par contre, il n'y a pas de... Ce que j'aime bien... Enfin, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Menu. Et c'est toujours dommage de ne pas avoir de menu, mais bon, c'est pas grave. Alors, le premier produit que je pioche, c'est de la marque My Little Beauty. J'adore cette marque, ils font de très très bons produits. C'est la mousse nettoyante visage, donc ouais, à 99% d'origine naturelle. C'est ce produit-là. Voilà, je vais juste sentir. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir d'odeur particulière. Mais bon, ça c'est cool, une mousse nettoyante, c'est toujours bien. Et My Little Beauty, comme je vous dis... C'est le chargeur du PC qui se fait... J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons de la marque... Enfin, un petit flyers comme ça. La collaboration MAC et My Little Beauty, elle ne s'arrête pas à l'écran de votre box de décembre. Depuis juin dernier, on cartographie la beauté telle qu'on la vit aujourd'hui. Car en 2020, on le sent bien, une beauté pour tous s'est dépassée. On se maquille pour s'exprimer et certainement plus pour se planquer. Plus pour se planquer. On le sait qu'il est venu le temps de la créativité libre, des lignes inattendues, des couleurs mélangées, des contours réinventés, car on le sait, parce qu'on veut tous, on vous voit tout changer. On a demandé à 5 d'entre vous de nous partager leur vision du make-up. Elles nous ont aidé à imaginer cette box, on vous présente. Donc voilà, il y a les 5 ambassadrices de la box. Donc bah écoutez, voilà voilà. Et derrière nous avons une carte cadeau préchargée de 15€ chez MAC en boutique ou sur le site internet. 15€ à partir de 25€ d'achat. Donc ça c'est toujours plutôt pas mal. Ensuite je retire ceci. Oui, ça j'ai mis mon nez dedans. Voilà, c'est comme ça, c'est une petite boîte. C'est indiqué Tell Me Everything, les bracelets qui font parler de My Little Box et MAC. Donc quand on ouvre, vous avez deux petits jolis bracelets comme ça que je trouve juste magnifique. Franchement, je les aime beaucoup. C'est vraiment de ce style de bracelet que j'aime porter. Donc, il n'y a pas de souci. Attendez, on va regarder ce que ça peut donner. Oh, il y a un gros scotch derrière. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, ils m'ont l'air bien longs en plus. Hop, je vais prendre celui-ci par exemple avec la maille assez fine. Ouais, franchement...
Si vous avez un gros poignet, logiquement, hop, je vais remonter la main. Logiquement, vous voyez, ça passe nickel. Et puis l'autre avec les deux petits anneaux, j'aime beaucoup. Donc écoutez, ça, moi je suis fan. Les petits bracelets comme ça, c'est mon dada, donc c'est trop cool. Ensuite, nous avons de la marque toujours My Little Box, Got a Secret, l'écrin de rouge à lèvres. Hop, alors... Donc c'est un petit, c'est SO 90 ça en fait, c'est un petit écrin comme ça que vous ouvrez et dans lequel vous pouvez ranger votre rouge à lèvres, il est tout pailleté à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il est tout pailleté à l'intérieur, il y a un petit miroir. Donc ça c'est pratique en fait, vous mettez votre rouge à lèvres dedans et vous le glissez dans votre sac, ça évite qu'il s'ouvre dans le sac. Donc ça c'est plutôt cool aussi, mais c'est SO 90 je trouve, ça se faisait beaucoup dans les années 90. Open for Magic, My Little Box et MAC. Voilà, c'est indiqué là. Ensuite, nous avons un premier produit de chez MAC, le Eyeshadow Fard à paupières. Donc, c'est un petit fard à paupières comme ça. Moi, je l'ai en teinte Satin Top Frost. Alors, ça se présente comme ça. Ah, elle est jolie, la teinte. Et elle est comme ça. Allez, on tente. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est... Oh, c'est beau. Ouais, non, ça, c'est cool, ça. Très jolie couleur, donc c'est celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est un swatch que j'ai fait du calendrier de l'Avent. Très joli. Bah, vous voyez, les deux ensemble, ça peut faire super sympa, ça. Ouais, ça, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. On s'essuie sur le carton Hélène. Voilà, donc ça, ça va être cool. Je suis pas très, très farmono, mais pour mettre juste sur la paupière mobile, ça peut être bien. Et le dernier produit de cette box, c'est un rouge à lèvres MAC. Ça, c'est trop cool. C'est la teinte 501 Capricious et c'est un quoi ? Bon, c'est un rouge à lèvres basique, un lustre, c'est un lustre. Alors, hop, rouge à lèvres MAC, tout ce qu'il y a de plus basique. Oh, la couleur est très belle. Et la couleur, c'est celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, ça donne quoi? Ah ouais, c'est sympa, regardez. Je peux en mettre, j'ai pas de rouge à lèvres. J'allais dire, faut que je me rapproche, mais non, il y a un petit miroir là. On va se servir du petit miroir. Bon, c'est fin, hein, mais on va y arriver quand même. Ah, c'est très joli. C'est une couleur... Ouais, c'est beau. Franchement, j'aime bien. Franchement, là, en plus, cette petite odeur des rouges à lèvres MAC, c'est toujours agréable. Ouais, franchement, c'est trop cool. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre... Bon là j'ai laissé le packaging mais vous mettez dedans et ça évite à votre rouge à lèvres de s'ouvrir dans votre sac à main et de faire des bêtises dans votre sac à main. Bah écoutez, pour une box de Noël elle est plutôt pas mal, en plus des produits MAC c'est plutôt cool. Donc moi je suis contente, en plus la pochette elle est vraiment magnifique. Si vous avez une petite soirée à Noël et tout, bah, vous pouvez prendre votre petite pochette, voilà, tout mignonne. Bon là elle est un peu difforme avec ce que je viens de lui faire subir mais... Très très bien, très très contente. My Little Box en général, j'en suis assez contente. Donc ça c'est trop cool et le rouge à lèvres est joli, j'aime bien. Ouais, le rouge à lèvres est joli, c'est sympa. Et puis le petit fard à paupières est très joli aussi. Donc voilà, allez, sur ce, il est 11h30. Faut que je regarde si j'ai monté la vidéo du jour parce que je ne sais plus du tout. Et si elle n'est pas montée, faut que je le fasse. Je vais me faire un petit café en attendant et puis, voilà. Et j'attends un livreur Chronopost en espérant que cette fois-ci ils me mettent... le colis à la maison et qu'il ne dépose pas au relais, on verra bien. Et il me semble qu'il y a autre chose qui devait être livrée aussi aujourd'hui. Ouais, bon, enfin bref, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 15h30. Alors, je vous explique. Normalement, j'aurais dû aller au supermarché chercher quelque chose pour le pérodinatoire de ce soir. Mais je n'ai aucunement l'envie de sortir vu qu'il fait un temps exécrable. Donc, je viens de faire une pâte brisée avec mon robot et je vais faire des petites quiches au fromage pour ce soir, tout simplement. Voilà, j'ai pioché dans mon frigo et ça ira très bien. Là, sous suite maintenant, ce que je vais faire, bah, comme tous les vendredis après-midi, c'est le ménage. Donc on va attaquer ça. Bon, ça va, les ouvriers ont été très 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 bien puisqu'ils ont quasiment pas sali la maison et qu'ils ont aspiré et balayé à chaque fois derrière eux, donc ça c'est cool. Mais bon, il y a quand même un petit ménage à faire. Je vais faire... là rapidement aujourd'hui et plus m'axer sur la chambre aujourd'hui parce que c'est il y a des poils partout. Bref, allez c'est parti. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va très très bien. On est samedi, il est 17h50 et
On est allé ce matin, on s'est levé tard, j'ai dormi, j'étais trop fatiguée. Ça fait du bien. Et on est allé cet après-midi sur Abbeville parce que chérie voulait acheter mon cadeau de Noël et il voulait que je sois là pour, parce que voilà, pour diverses raisons, il voulait que je sois là. On a fait quelques autres petits cadeaux de Noël, son frère, ma maman, je voulais trouver quelque chose mais j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que j'ai une idée précise. Et puis, on a fait une de mes nièces aussi, donc voilà. Et puis on est passé à la fromagerie, à la charcuterie, enfin voilà, on était chez commerçant du coin pour avoir des bons produits, tout simplement. J'ai reçu un cadeau d'Alice aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, regardez, je l'ai mis là, c'est trop joli. En fait c'est la petite guirlande et je savais pas où la mettre et je l'ai mis là pour, je trouve ça sympa. Donc je pense que ça va rester là à l'année, ça j'aime bien. Voilà, voilou. Bon bah écoutez, je pense que je vous dirai pas plus de choses en samedi. Là ce que je vais faire c'est que je vais remettre un petit peu la maison en place pour ce soir. Comme ça ce sera nickel et puis j'aime bien quand le samedi soir la maison est bien en place et qu'il n'y a rien de qui traînaille et tout, c'est agréable de se poser et d'être en mode détente. Chérie est partie faire 2-3 courses parce qu'il nous fallait de l'eau et puis quelques trucs qu'on trouve en supermarché, papier alu et tout ça. Et voilà, sur ce moi je vous laisse et je vous dis à demain. Coucou les chouquettes, on est dimanche. Attendez, je cherche la télécommande pour couper le son de la télé. Hop. Donc on est dimanche, il est 17h50 et je sors de ma douche. Chérie est partie faire sa balade dominicale avec Birdie. Il aime bien parce qu'il marche à son rythme et ouais, il aime bien marcher quand il fait noir. Je ne sais pas pourquoi, bref, laissons faire. Donc moi je sors de ma douche comme d'habitude, rituel du dimanche. Ça fait trop du bien. Je vous montre la tenue du dimanche. Allez, je vous montre la tenue du dimanche. Bon, quand j'ai dit je vous montre la tenue du dimanche, mon appareil a dû prendre peur parce qu'il a coupé, il a dit j'ai plus de batterie, je ne veux pas. Donc voilà, c'est un petit pull comme ça que j'ai eu sur, enfin un gros pull même, que j'ai eu sur dans la vidéo avec Lady and Mummy Shop. Voilà, pull du dimanche, j'adore. Un petit legging noir tout bête et mes chaussons de chez Shein. C'était ma tenue d'aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, voilà. Nous n'avons rien foutu. C'est typiquement le style de jour où j'aime me mettre, voilà, en gros pull avec un legging, tout bête, tout simple, tenue que je ne porte jamais autrement que le soir devant la télé ou le dimanche. Et on est trop trop bien dans ce style de tenue, c'est trop agréable. Et le plaid, voilà, le plaid dans le canapé. Pour tout vous dire, on a déjeuné, je me suis levée, il était 10h, chérie il était 11h30 midi, on a brunché, moi j'ai bu un café en me levant et après on a brunché, et je me suis mis dans le canapé, je me suis endormie comme une masse, ouais. Faut dire qu'hier soir on a regardé des films avec chérie et je me suis endormie, enfin j'étais me coucher, il était 1h42 du matin, donc forcément ça aide pas, qui est pas du tout mon habitude. Donc aujourd'hui j'étais lessivée, vannée, et puis j'avais envie de, voilà, de chiller à fond, d'être tranquille et de me poser, ça fait beaucoup de bien. D'autant plus que la semaine a été un peu, comment dire, voilà. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'il y avait les ouvriers qui étaient là et tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu le stress d'avoir des ouvriers à la maison, le fait de se dire, même si on se protège, de pouvoir faire entrer le loup dans la bergerie, comme on dit. Voilà. Pas le fait que les gars soient pas gentils, mais bon, avec les périodes qu'on vit actuellement et le virus, c'est jamais forcément évident. Même si gel, hydroalcoolique, machin et tout, masque, on se protégeait à fond. Mais c'est vrai que j'ai toujours, voilà, j'avais un gros stress par rapport à ça. Mes règles qui sont arrivées en même temps, donc la fatigue des règles, la fatigue du stress qui redescend et tout. Hier on n'a pas arrêté non plus avec Chouchou, donc du coup aujourd'hui j'étais complètement lessivée. Et le fait de me coucher tard hier, ça n'a pas aidé. Bref, plus je vieillis, plus il faut que je me couche tôt, sinon c'est la cata. Donc là je sors de ma douche, d'ailleurs j'ai refait le masque Kérastase là qu'on avait eu dans une box. Qu'est-ce qu'il est bien ce masque, il faut que je refasse ma coloration avant Noël parce que c'est une catastrophe. Il fait des cheveux tout doux, tout beau, donc je suis contente. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, tranquillement, je vais finir ma journée tranquillement. Le temps que chérie rentre, je vais regarder un petit peu... la vidéo de Sissi sur sa nouvelle maison. Et je crois que c'est dans le sud et j'avais raison. Ils ont acheté dans le sud, je suis certaine. Donc voilà, et écoutez, rien d'autre de particulier. Je commence à voir la dalle parce qu'on a... Comme on brunch normalement. Enfin, c'est pas non plus un gros brunch, quoi. Là, c'était de la brioche, brioche épingrillée avec un petit chocolat chaud. Mais le dimanche soir, comme ça, j'ai une dalle, mais d'enfer. Et ce soir, alors, soit il reste un peu de raclette d'hier, mais j'ai pas envie. On va faire pizza et la raclette, je la ferai demain en faisant une sorte de tartiflette avec les patates qui restent et tout, et ce sera très bien comme ça. Parce que là ce soir j'ai plus envie de me poser tranquille, j'ai pas envie de cuisiner, donc ce sera pizza. Voilà, j'avais acheté une pizza hier en allant faire deux courses,
Donc je vais me mettre devant mon PC, regarder la vidéo de Sissi et peut-être deux ou trois autres le temps que chéri rentre, puisqu'il est parti à 20 minutes le temps que je prenne ma douche. Donc souvent il part une bonne heure. Et je disais à mon mari tout à l'heure, c'est rigolo, nous on a deux bocals à la maison. Mon chéri a un bocal comme ça. Vous l'avez peut-être vu dans la story Instagram de dimanche. Voilà, comme ça, avec des bonbons. Et moi, je lui disais, toi, t'es addict aux bonbons et moi, je suis addict aux amandes. Et là, il m'a répondu, bah ouais, mais ton addiction, elle est meilleure que la mienne. Et c'est pas faux. Toi, enfin, faut être addict aux amandes, mais dans la limite du raisonnable quand même. Hein. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans notre vlog et à dans la semaine dans d'autres vidéos.